Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Votre site de référence pour de nouveaux Brazza Paris Info. Film de film de gaz magasin. Restez connectés sur votre site de référence. 3W Brazza Paris Info. Film de film de gaz magasin. Site des arabes dans la photo. Où il va tout attendre dans la 4x4. On nous a là, Brazza Paris Info. Donc, à très bientôt, cher internet. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de vous remercier toutes et tous ici présentes et présents d'être venus, quelque peu nombreux et nombreux, prendre part à la cérémonie de dédicace de mes deux livres respectivement intitulés « Micmac et tripatouillage politique en démocratie » et Les vautours ou les charognards de la République populaire de Lokuta, capitale Mbongwana. Mesdames, Messieurs, votre présence à ces lieux, les questions pertinentes et même inopportunes que vous avez posées, additionnées à la parcimonie à laquelle ceux qui viennent de décortiquer le contenu des deux livres ci-dessus cités ont fait recours pour nous les présenter avec un talent avéré, prouve s'il en était besoin l'intérêt manifeste et évident que vous portez à mes écrits, l'intérêt manifeste et évident que vous avez pour ce que j'exprime dans mes œuvres, autrement dit dans mes livres, ce dont je suis sensible voire honoré, veuillez bien me croire, car j'interprète cela comme des encouragements de votre part à mon endroit, des encouragements pour me prouver, pour me pousser à continuer de réfléchir sur les nombreux maux et problèmes qui freinent, qui minent et qui hypothèquent énormément et dangereusement le développement harmonieux de toutes les sociétés humaines, dans le monde entier en général, en Afrique particulièrement, partant au Congo évidemment, mon pays. Mais, mesdames, messieurs, je ne fais pas que réfléchir sur ces nombreux problèmes et maux. Je les soulève et je les exprime dans mes livres pour les partager avec les lectrices et les lecteurs, avec l'espoir de trouver les solutions ensemble. Pour cela, merci une fois, merci deux fois, merci trois fois. Cela étant dit, merci aussi. Oui, merci pour l'aimable et patiente attention que vous allez m'accorder tout à l'heure, que vous m'accordez présentement, pour me permettre de répondre à vos préoccupations. Pour ce faire, vous m'avez posé si gentiment des questions et pour y répondre, en tenant compte de la ressemblance de celle-ci, de celles que vous avez posées, de celles que vous n'avez pas posées, mais que je devine qui sont dans vos têtes, les questions. De leur ressemblance avec, avec toutes celles qui m'ont déjà été posées dans le temps, pendant les cérémonies de dédicace antérieures que j'ai organisées à la parution de chacun de mes livres, permettez-moi ou souffrez que je regroupe la totalité de vos préoccupations dans un seul ensemble, quelle que soit leur pertinence, leur opportunité ou pas. Car, cela n'étant pas le problème fondamental, je voudrais vous donner la réponse globale qui va suivre à travers une réflexion, ne vous déplaise. Ce faisant, je suis conscient que ceci va ou ne va pas, peut ou ne pourra pas satisfaire une personne qui, en me posant sa question, qu'elle soit pertinente ou pas pertinente, s'attend à recevoir de moi la réponse qu'elle a en tête lorsqu'elle me formule sa question. Ainsi, par exemple, si quelqu'un venait à me poser la question qui consiste à savoir à combien est égale l'addition 2 plus 2, il est fort possible qu'il attendra de moi la réponse suivante, à savoir 2 plus 2 égale 4. Alors que, disposant de milliers et de milliers de réponses justes à foison,
Je ne suis pas obligé de lui répondre que 2 plus 2 égale 4 comme il attend. Car je pourrais, entre autres réponses, lui dire ceci, 2 plus 2 égale 10 moins 4, moins 6, ou 2 plus 2 égale 3 plus 1, ou encore 2 plus 2 égale 3016 moins 3012. Comme je pourrais aussi bien lui répondre que 2 plus 2 est égal à la racine carrée de 2013 plus 2003 plus 2000 moins 3000 plus 3000, quand bien même la dite personne, ne sachant pas extraire la racine carrée des chiffres et des nombres, s'attendra à ce que je lui réponde mécaniquement ou moutonnièrement que 2 plus 2 égale 4. Cela dit, entendu et compris par vous et par moi, mesdames, messieurs, voici cette réponse globale que j'ai réservée à vos questions. À partir de l'observation que je me fais constamment ou tous les jours de la manière dont fonctionne l'être humain en société, en se basant sur son ego, son nombril ou son moi, ce qui débouche sur l'égocentrisme ou sur le nombrilisme. Il m'est venu l'idée de créer d'autres néologismes que voici et qui vont s'ajouter à ceux que j'ai déjà créés. Il s'agit de l'égocratie et de la nombrilocratie, qui sont des idéologies ou des philosophies, des concepts abominables, négatifs et nocifs, que l'être humain entretient volontairement en vivant en société, tout en magnifiant à outrance et à l'excès son ego, son moi ou son nombril. Ce faisant, il étouffe et il cherche à dominer sciemment le moi et la personnalité des autres êtres humains qui n'émergent pas ou n'adhèrent pas à la sphère étriquée de son existence, la sphère étriquée de ses préoccupations fondamentalement personnelles, surtout quand il détient un brin ou une parcelle de pouvoir. C'est ainsi que, partant de l'égocratie ou de la nombrilocratie, l'être humain, homme comme femme, quand il se projette, comme il le fait quotidiennement, dans son ensemble sociétal de naissance ou d'origine, qui est sa famille, sa tribu ou son ethnie, il se met à raisonner et à fonctionner suivant un mode de pensée négatif et nocif, basé sur la philosophie, l'idéologie ou le concept exécrable de la familiocratie, de la tribiocratie et de l'ethnocratie. C'est ainsi que, en s'appuyant sur l'égocratie, l'être humain devient égocrate, comme il devient un familiocrate lorsqu'il s'appuie sur la familiocratie. De même, lorsqu'il glisse vers l'ethnocratie ou vers la tribiocratie, il devient ethnocrate et tribiocrate. C'est pourquoi il devient un nombrilocrate quand il a comme philosophie, comme idéologie ou comme concept la nombrilocratie. Mesdames, messieurs, cette manière de raisonner et de fonctionner amène les mauvais acteurs politiques, appelés politicocrates dans le monde entier, à diviser leur pays réciproque en diverses entités socio-politico-géographiques d'essence contestable, qui sont souvent arbitrairement baptisées ou dénommées le Nord, le Sud, la savane, la forêt et que sais-je encore. Ce qui entraîne ipso facto le mélange de l'égocratie avec la nombrilocratie, à la suite de quoi chacun se retrouvant prisonnier d'une nouvelle condition de vie ou d'une nouvelle nature et d'un mode de pensée qui font de lui, à son insu peut-être, ou malgré lui, un tribiocrate, sinon un ethnocrate, faisant semblant de l'ignorer, il se met à entretenir profondément en son fort intérieur le sentiment erroné d'être gratuitement meilleur ou supérieur à toute autre personne qui appartiendrait à une autre famille, à une autre tribu, à une autre ethnie que la sienne, voire à une autre partie géographique du pays dans lequel il est appelé à vivre en société avec d'autres êtres humains sans complexe aucun, surtout pas avec celui de supériorité envers d'autres citoyens qui sont ses compatriotes. Mesdames, messieurs, ceux qui raisonnent et fonctionnent suivant ces idéologies, ces philosophies ou ces concepts abominables, négatifs, nocifs et odieux, ou
ceux qui adhèrent, ceux qui y adhèrent en vivant en société avec d'autres êtres humains, accusent souvent faussement de tous les maux et qualifient de tous les mauvais noms possibles d'oiseaux tous ceux qui, n'adhérant pas à ces idéologies, à ces concepts ou à ces philosophies répugnantes et dégoûtantes qui incitent à mettre en exergue ou en premier plan l'ego, le moi ou le nombril personnel et aussi l'ego, le moi ou le nombril sociétal de groupe, se détachent conséquemment de cet engrenage diabolique et infernal. Pour ne pas être familiocrate, mangeocrate, ventrocrate, opportunocrate, tribuocrate, ethnocrate, politicocrate et autres mauvaises gens dont les noms se terminent en suffixe crate. Mesdames, Messieurs, la première espèce de ce genre d'être humain ne comprend pas la deuxième espèce, autrement dit, les tribuocrates et les ethnocrates invétérés et indécrottables ne peuvent pas comprendre qu'il existe des anti-tribuocrates et des anti-ethnocrates conséquents qui, non seulement les dénoncent et les combattent, mais aussi dénoncent et combattent les tribuocrates ainsi que les ethnocrates qui appartiennent à leur propre milieu, je veux dire, qui appartiennent à leur entité socio-politico-géographique de naissance. Non. Trois fois non. Les familiocrates, les opportunocrates, les tribuocrates, les ethnocrates, les politicocrates, les égocrates, les nombrilocrates et les autres mauvaises gens dont l'appellation se termine en crates, engluées et invétérées qu'elles sont dans leur idéologie, dans leur philosophie ou dans leur concept funeste et condamnable, ne peuvent pas et ne pourront jamais comprendre ni concevoir l'existence en dehors d'eux et dans le monde des sociétés humaines sans familiocrates, sans opportunocrates, sans griocrates, sans politicocrates, sans tribuocrates, sans ethnocrates, sans égocrates, sans nombrilocrates, bref, sans que sais-je encore d'autres crates. Non, ils ne pourront pas comprendre ni concevoir un monde avec des sociétés humaines, avec des citoyens qui n'adhérant pas à ce genre de philosophie, d'idéologie ou de concept, les dénoncent et les combattent fermement parce que c'est leur combat pour la vie. Non, trois fois non. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais ni comprendre ni concevoir cela. Mesdames, Messieurs, c'est en considération de cela qu'on peut expliquer la pertinence et même l'impertinence des questions que l'on pose ou que peuvent poser les tribuocrates et les ethnocrates qui s'ignorent car glorifiant parfois en public, sans vergogne, en privé, toujours les mauvais actes dont la mauvaise gouvernance que posent les politicocrates qui appartiennent à leur entité socio-politico-géographique de naissance ou de leur choix, tout en fustigeant à tort, avec beaucoup de hargne et de haine viscérale dans la voix, en privé comme en public, les actes négatifs que posent les politicocrates qui ne sont pas de leur obédience, de leur camp ou de leur bord, faisant ainsi montre ou donnant la preuve de leur parti pris, mais aussi de l'absence de jugement impartial et objectif de leur part. Par contre, sans se gêner le moins du monde, ils se permettent de diaboliser et de dénigrer les citoyens ou les compatriotes qui n'adhèrent pas à leur idéologie, à leur concept ou à leur philosophie funeste et odieuse, c'est-à-dire à leur mode de pensée satanique, car les uns et les autres ne sont pas de la même nature, les uns et les autres ne sont pas de même essence, les uns et les autres sont des êtres humains moralement différents. Mesdames, Messieurs, en créant des néologismes, comme je le fais depuis un certain temps, je soulève là le problème de l'évolution des langues et, considérant que celles-ci, pour la circonstance, comme des êtres vivants, à ce titre, les langues ou les mots
sont en évolution permanente. Mesdames, Messieurs, quand on refuse d'admettre la transmutation que la vie impose comme mouvement, on s'expose à la mort avant terme. La vie étant soumise à une évolution constante, les langues et les mots ne peuvent pas échapper à cette constance sans prendre le risque de disparaître à court, à moyen ou à long terme. En évoquant le problème de l'évolution des langues, je suis en plein dans le logocosme. Par ailleurs, quand je m'exprime, comme je le fais par écrit, je mène un combat permanent contre les idées reçues. Je mène un combat permanent contre la bêtise humaine. Ce faisant, je suis convaincu qu'il y a forcément des personnes qui ne me comprennent pas. Pire, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui refusent de me comprendre volontairement. Ces personnes-là existent, j'en suis sûr, aussi bien dans mon propre milieu socio-politico-géographique de naissance que dans celui dans lequel je n'ai pas des atomes crochus, je n'ai pas des origines naturelles liées à ma naissance. De même, je suis aussi sûr et convaincu qu'il y a forcément, mais heureusement, des personnes de l'un ou de l'autre bord, je veux dire de l'autre camp, qui, me comprenant, me soutiennent mieux, ou surtout, me comprenant, m'encouragent dans ce combat titanesque et chevaleresque que je mène. Mesdames, Messieurs, ainsi dit par moi et entendu par vous, ai-je répondu correctement ou comme il se devait à la satisfaction générale de tous ceux qui m'ont posé des questions ou de ceux qui voulaient m'en poser mais qui n'ont pas voulu les poser, dont certaines. Ils ne l'ont pas fait parce que certaines pouvaient être, il faut l'avouer, saugrenues. Je n'en sais rien, ou plutôt j'en doute. J'en doute même très fort. À la bonne heure, pourrait-on dire, mais il faut admettre avec La Fontaine, dans Le Meunier, son fils est l'âne, que est bien fou de cerveau, celui-là qui voudrait contenter tout le monde à la fois. En effet, il faut reconnaître qu'il est difficile, voire impossible, de faire entendre raison à une personne qui, étant bourrée et imbibée de beaucoup d'a priori, de beaucoup d'idées préconçues, arrêtées et fixes, prisonnière de surcroît des convictions erronées et irrationnelles, prendrait le parti de discuter avec une autre personne qui, elle, libre penseur, pur sang, accepte de débattre sans aucun préjugé de toutes les questions inhérentes aux sociétés humaines, sans tabou et surtout en toute objectivité, en toute impartialité et en toute neutralité. Autrement dit, sans parti pris aucun, parce qu'elle a l'esprit sain, l'esprit libre et ouvert pour débattre de tout et de rien, sans aucun complexe, surtout pas avec celui de supériorité avec autrui. Cela dit, mesdames, messieurs, après vous avoir remercié d'être présent ici, ce qui démontre et prouve, comme je l'ai dit, l'intérêt manifeste et évident que vous avez pour mes livres, ce que je considère comme étant des encouragements de votre part à mon endroit, je l'ai aussi dit, je dois également vous dire merci infiniment pour l'aimable et patiente attention que vous venez de m'accorder, ce qui m'a permis de vous débiter des élucubrations pendant 20 minutes environ. Mais Dieu merci, en le faisant, j'ai arrêté de vous torturer plus longtemps, c'est-à-dire pendant 30 minutes, qui m'étaient autorisées par le programme pour vous parler. Autrement dit, pour répondre à vos questions et préoccupations, ce que je viens de faire avec le sentiment de vous avoir ennuyé, avec des arguments jugés valables et solides par moi, mais qui ne vous ont pas pour autant satisfait ni convaincu. Ce que regrettant, je vous demande en conséquence sincèrement pardon, car je viens d'abuser de votre temps et de votre patience en vous racontant des inepties, voire des balivernes, pensent certains. Alors, comme on dit que une faute avouée est à moitié pardonnée, moi, je avoue la mienne deux fois et trois fois afin d'être sûr de me faire pardonner par vous complètement.
Merci et pardon sont deux mots utiles dans le rapport entre les êtres humains, dans le commerce des hommes, car si le premier mot est la manifestation ou l'expression de la gratitude qu'on exprime envers celui ou ceux qui vous ont fait du bien, le deuxième, par contre, est l'aveu que fait une personne qui s'est rendue coupable ou qui a fait du tort à un autre être humain. C'est ce que je ressens. Je vous ai fait du tort. C'est donc après ces deux mots, à savoir merci et pardon, que je vais définitivement me taire aujourd'hui, pour arrêter de vous faire subir le martyre plus longtemps. Mais avant de le faire, permettez-moi de répéter à nouveau, il n'y a pas une manière unique de dire que 2 plus 2 égale 4, car entre une multitude de manières de répondre et de répondre juste, on peut dire que 2 plus 2 est égal à 2 fois la racine carrée de 16 plus 2 moins 6. Celui qui répondra de cette manière aura aussi bien raison que celui qui dira que 2 plus 2 égale 4. Ce dernier n'aura donc pas le droit de dire que la première personne n'a pas bien répondu à la question de savoir à combien est égal 2 plus 2, parce que d'après lui, il faut absolument dire 2 plus 2 égale 4. Point final, merci de votre attention.